bien, chère Suzanne, finis-moi l'histoire. Donc, le comte voulait te séduire? Oui, il m'a proposé de l'argent. Oh, le cruel ne m'aime plus. Il veut aussi rétablir le droit féodal. Et dire qu'il est tellement jaloux de moi? Mais si Figaro t'aime, lui seul pourra. Justement, écoutez plutôt son plan. Tu dois accepter le rendez-vous du comte ce soir, seul dans le jardin. Mais c'est le jeune Chervin qui ira à ma place. Habillé en femme. Je n'aurai qu'à le surprendre. Et il sera enfin obligé de me laisser épouser mon Figaro. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas mal. Il nous envoie Chervin. Pour nous laisser le soin de l'habiller. Sì,
C'est étrange. Vous n'avez pas l'habitude de vous enfermer dans votre chambre. C'est vrai, mais j'ai
j'étais en train de mettre la robe. Il y a quelqu'un là. Je n'ai rien entendu. Qui voulez-vous qu'il y ait? C'est moi qui vous le demande. J'arrive à l'instant. Ah oui, Suzanne, justement. Suzanne. Eh bien, nous allons le voir à l'instant. Suzanne, allez, sortez, je vous l'ordonne. Arrêtez-vous. Écoutez, elle ne peut sortir. Et qu'est-ce qui l'en empêche, je vous prie? C'est la pudeur qui l'interdit. Elle est en train d'essayer sa robe de mariée. Parlez, Suzanne, au moins si vous êtes là. Jamais de la vie. Je vous l'ordonne, taisez-vous. Donc, vous n'ouvrez pas. Pourquoi devrais-je ouvrir mes appartements? Eh bien, laissez, je vais aller chercher moi-même ce qu'il faut. Mais pour ne laisser subsister aucun doute, je vais aussi fermer les portes. Vous aurez la bonté, madame, de venir avec moi. Voici mon bras. Allons. Allons. Suzanne restera là jusqu'à notre retour. Que pasará?